Les livres. Les livres, où iront-ils? Quand je disparaîtrai, où iront-ils? Ils font partie de moi, et si je cesse d'exister et me dissous en centaines de parties, eux ne le feront pas avec moi. À un certain moment, comme moi, ils suivront leur propre destin, celui que nous partageons durant un temps très court. À un certain moment, comme moi, ils s'en iront, eux aussi, mais de manière différente. Entre-temps, ils feront partie d'une autre réalité, et comme ils le firent avec moi, ils représenteront quelque chose dans la vie de quelqu'un. Peut-être seront-ils vendus ou donnés à une bibliothèque publique qui les recevra comme on reçoit des orphelins. Ils seront séparés les uns des autres, et je peux quasiment entendre comment, avec une infinie tristesse, ils se diront au revoir. Ces livres, qui sont si importants pour moi aujourd'hui, cesseront de l'être, car il n'y aura pas un désir qui les unit à moi. Pour cela, je me demande, quand je les regarde, qu'est-ce qu'il va leur arriver? Qui sera le prochain moi pour ces livres? Ils constitueront avec d'autres moi d'autres existences. Ils formeront à nouveau un tout avec quelqu'un d'autre. Et toutes ces histoires autour de ces livres que j'ai possédés, que j'ai encore avec moi, et qui réellement signifient quelque chose pour moi, cesseront d'avoir cette valeur que je leur donne. Ils seront alors partis vers d'autres histoires. Et les histoires qui m'ont lié, attaché à eux, les promenades dans les librairies pour les trouver vont s'estomper. Avec les sensations et les sentiments qui m'ont éveillée, réveillée dans ma jeunesse et qui m'ont accompagnée agréablement toute ma vie. Certains, quelques-uns d'entre eux, sont restés sur le chemin. D'autres m'ont suivi et cheminent à mes côtés. Pour cela, je me demande, où iront-ils? Se pourrait-il qu'il me cache quelque chose ou est-ce seulement mon imagination? Qui se souviendra de moi à travers eux? Quelle partie de moi prévaudra dans chacun d'eux? Chacun sera-t-il un symbole, une synthèse de toute ma vie? Pour ceux qui savent interpréter un livre comme un symbole, quand je ne serai plus, qui s'occupera d'eux? Je me demande, où iront-ils? Quand sera-t-il d'eux sans moi? Quand je partirai, ils me suivront, mais certainement qu'ils disparaîtront comme moi un jour. À un moment donné, peut-être qu'une partie de moi s'unira avec une partie d'eux, et alors on appartiendra ensemble à une nouvelle vie. Se posera la même question que moi. Où iront-ils? Où iront-ils tous ces livres?